Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. Qu'il bénisse vos familles. Qu'il bénisse l'œuvre de vos mains. Alors, autant que vous êtes connectés, j'aimerais t'inviter ce soir à partager la vidéo, à inviter quelqu'un qui n'est pas encore connecté. Pour rappel, nous sommes aujourd'hui 6e jour de notre neuvaine à Notre-Dame de la Délivrance, qui a pour thème général la libération des liens. Amen, alléluia. Alors je sais que le Seigneur va achever en nos vies ce qu'il a si bien commencé. Alors j'aimerais t'inviter à ne pas garder cette grâce-là pour toi seul, à la partager, à inviter quelqu'un, plusieurs personnes, parce que le Seigneur va briser nos liens. Nos malédictions aujourd'hui vont fuir par la fenêtre. Alléluia. Yeah. Vers le Père Céleste,
Jésus dit ceci. Tout le monde, je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Non, non, l'Esprit Saint est là. Changez votre vie. Qu'est-ce qu'il a dit? Encore, je ne vous laisserai pas orphelin. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Jésus. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous voulons, Seigneur, te dire merci ce sixième jour de neuvaine à Notre-Dame de la délivrance que tu nous donnes, ô mon Jésus. Nous voulons, Seigneur, entrer dans cette neuvaine en te disant merci. En te disant merci, Seigneur, pour ta bonté. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci parce que tu nous as gardés tout au long de cette journée, ô mon Jésus. Seigneur, nous n'avons manqué de rien, ô Jésus. Alors nous voulons te dire merci. Parle à Jésus et dis-lui merci. Dis-lui merci, je t'en supplie. Quand je regarde ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter. Et de poser ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Quand je regarde ta sainte, et quand je contemple ta beauté, alléluia, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Découvre la joie de te chanter et de poser ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe.
Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Avec cette mélodie que nous accueillons ici, le berger Abraham de la communauté de l'Épiphanie. Amen. Dieu te bénisse. Je sens que en ce soir, quelqu'un est déjà béni de là où il est. Je sens que quelqu'un est déjà béni de là où il nous regarde, parce que moi déjà je suis dans la présence de Dieu et c'est tout ce que je veux, c'est tout ce que j'aime, c'est tout ce que je désire. C'est la raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle, oui, je suis né. Je suis né pour l'adorer, je suis né pour le glorifier. Si je suis né, c'est pour dire qu'il est le roi des rois, l'éternel des armées, le Dieu des dieux. Et je déclare sur ta vie, toi qui m'écoutes, je déclare sur ta vie, toi qui me regardes, quelle que soit la situation que tu vis, quel que soit le problème dans lequel tu stagnes, quel que soit ce que tu vis actuellement, je te dis que mon Dieu passe par ce séminaire, il passe par cette neuvaine, pour pouvoir te libérer totalement. Quels que soient les problèmes, je dis bien quels que soient les problèmes, quelles que soient les causes, mon Dieu est plus grand que cela. Voilà pourquoi en ce soir, il vient encore parler à ton cœur. Il vient encore parler à ton cœur au travers de ce temps de libération. Nous sommes au sixième jour. Nous sommes au jour de la création de l'homme. Nous sommes au jour de la création de ta destinée. Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, va déclarer en ce soir que la lumière commence à briller désormais dans ta vie. Parce que ce que tu as commencé dès le premier jour de cette neuvaine et a commencé à rentrer dans l'accomplissement, je déclare en ce soir, avant de t'exhorter rapidement, je veux déclarer sur la vie de certaines personnes qui vont partager ce direct. Je veux déclarer sur la vie de certaines personnes
qui vont commencer à dire Amen, qui vont commencer à mettre des cœurs. Je veux déclarer une évolution incroyable. Je veux déclarer des témoignages. Je commande que des témoignages en un point fini se manifestent dans vos vies au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu manifestes et que tu vives l'abondance financière, que tu vives la santé, que tu vives la paix du cœur. Alléluia. Alors ce soir, rapidement, nous allons parler de la malédiction et des malheurs. Amen, amen. C'est un fléau qui mine la vie de plusieurs personnes. Donc, je pense bien que tous ceux qui nous suivent ce soir ne sont pas étrangers à ce fléau qui est le malheur, qui est la malédiction. Je ne vais pas venir ici te donner la définition que tu sais déjà. Je vais juste te dire que la malédiction, selon Dieu, c'est simplement le fait de ne pas faire ce qu'il te dit de faire. Amen, amen. Voilà pourquoi nous allons commencer d'abord par, nous allons commencer par savoir ce que Dieu pense réellement de ceux qui n'obéissent pas en sa parole. Qu'est-ce que Dieu dit concrètement de ceux qui n'obéissent pas en sa parole? Et au fur et à mesure, quand nous allons avancer, tu vas savoir aussi l'origine de la malédiction. Amen, amen. J'ai pour habitude de dire que ce n'est pas Satan qui nous maudit. Aujourd'hui, tu vas savoir qui te maudit concrètement. Amen. Satan n'est que celui qui montre à Dieu que tu n'as pas agi comme il se devait. Rappelle-toi l'histoire de Job. Amen, amen. Malgré que Job même n'avait rien fait, Satan se lève et il va dire à Dieu que c'est parce que tu l'as trop béni qu'il t'adore trois fois par jour. Amen, amen. Donc, comprends que toi-même qui ne l'adore pas trois fois par jour, là, imagine qu'il a plusieurs dossiers contre toi. Et quand il se lève contre toi, il va vers l'Éternel des armées. Il dit à ta fille qui dit elle veut se marier, là. Ton fils qui dit il veut un emploi, il veut une promotion, il veut la santé, elle veut la santé. Mais regarde, elle ne t'adore pas, il ne t'adore pas, il ne fait pas ce que tu dis. Il ne fait pas ce que tu veux. Comment veux-tu le bénir? Amen. Alors aujourd'hui, nous allons prendre simplement le passage de Deutéronome 28. Le passage de Deutéronome 28. Tu prends ta Bible de là où tu es, pendant que tu m'écoutes. Deutéronome 28. Nous prenons le premier verset. Après, nous allons passer au verset 15. Le premier verset dit ceci: si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen, amen. On continue avec le verset 15. Regarde un peu ce que le verset 15 dit. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Amen, amen. On continue encore au verset 20. Il dit que l'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'auront porté à l'abandonner. Amen, amen. Est-ce que tu comprends quelque chose? La Bible est en train de dire une chose. Au verset 1, la Bible te dit que si tu obéis à la loi, si tu obéis au commandement que je te donne aujourd'hui, voilà, je te bénirai. Au verset 15, il dit, si tu n'obéis pas, j'enverrai des malédictions contre toi. Amen, amen. Je suis en train de te donner l'origine de la malédiction. Nous avons déjà donné la définition. Je suis en train d'aller rapidement parce qu'il faut que nous puissions prier tout à l'heure. L'origine de la malédiction, comme je disais, c'est Dieu qui observe l'attitude du chrétien. C'est Dieu qui observe l'attitude du croyant que tu es. Parce qu'en tant que chrétien, il veut que tu agisses d'une certaine manière.
Il veut que tu manifestes un certain amour pour ton prochain. Mais pendant que tu vis, pendant que tu portes des actions, cet amour-là n'est pas rempli dans tes actions. Pendant que tu parles, il y a des choses que tu n'es pas censé dire, que tu dis à ton prochain. Il y a des rancunes que tu gardes en cœur, que tu n'es pas censé garder. Parce que tu dis que tu es chrétien. Parce que tu dis que tu es chrétien. Quand tu vas prendre Genèse, le chapitre 4, à partir du verset 7, tu vas voir que Dieu dit que le péché est tapis à la porte de ton cœur, à toi d'en être le maître. Ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous puissions maîtriser le péché. Ça veut dire que nous puissions être maîtres du péché. Mais il ne veut pas que nous soyons esclaves du péché. C'est lorsque tu es esclave du péché que la malédiction commence à venir. Et regarde, nous continuons toujours dans Deutéronome 28. Il dit, Deutéronome 28, le verset 30, regarde, hein, il dit, tu auras une fiancée, tu auras un fiancé et une autre couchera avec lui, avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Combien parmi nous, combien de chrétiens ont eu à se fiancer, ont eu à rencontrer des gens? Combien de chrétiens ont eu à commencer des entreprises et ça n'a pas porté? La malédiction vient de là. Pourquoi cette malédiction sur toi? Tu diras certainement, mais je prie, je fais tout ce que je peux. Mais pourquoi malgré ça, malgré ma bonne vie, je n'y arrive pas véritablement? Laisse-moi te dire une chose. Il y a ce qu'on appelle les ancêtres. Il y a ce qu'on appelle les ancêtres qui ont vécu avant toi, qui ont posé des actions avant toi. Et aujourd'hui, tu commences à payer le prix. Et en plus des malédictions qu'ils ont accumulées malheureusement sur nos vies, aujourd'hui, toi aussi, par tes actions, par tes péchés, tu accumules aussi des malédictions sur ta vie. Parce que lorsque le péché, comme je le disais tantôt, lorsque le péché devient... lorsque tu deviens esclave du péché, automatiquement la malédiction commence à s'activer dans ta vie. Souviens-toi combien de fois tu as été trompé dans tes relations, tant amoureuses que professionnelles. Combien de fois tu as espéré en certaines choses que tu n'as pas pu avoir alors que tu méritais. Combien de fois tu as voulu quitter cet état de malade, mais jusque-là, rien. Tu as parcouru tout type d'hommes de Dieu. Tu as parcouru leurs hôpitaux, même les plus grands féticheurs, les marabouts. Tu es allé même au Sénégal, la nation même des marabouts, rien. Simplement parce qu'il y a une malédiction, il y a un ordre qui a été donné de la part de l'Éternel. Parce que lorsque tu n'agis pas comme il le dit, lorsque tu ne fais pas ce qu'il te demande, amen, amen, tu récoltes simplement ce que tu as semé. Amen. La Bible dit qu'on ne récolte que ce que l'on a semé. Si tu as semé la paix, si tu as semé la joie, si tu as semé le succès, tu récolteras le succès. Que tu sois chrétien ou pas, j'ai l'habitude de dire aux gens que ce n'est pas parce que tu es chrétien que voilà, tu es exempté de toute punition. Non, tout dépend de comment tu te comportes. Voilà pourquoi on n'a pas forcément besoin d'être chrétien pour être béni. Vous avez remarqué, il y a des filles qui ne sont pas chrétiennes, mais qui se marient aisément, qui trouvent des hommes facilement. Mais pendant que toi tu es chrétienne, pendant que toi tu es chrétien, c'est difficile pour toi d'atteindre cette grâce. Tu es obligé de combattre, de te lever à minuit pour prier jusqu'à 4 heures du matin, alors que les enfants de ce monde n'ont même pas forcément besoin de ça. Mais parce qu'ils savent qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Mais c'est dans nos églises, malheureusement, qu'on trouve ce genre d'attitude. C'est dans nos églises, malheureusement, qu'on trouve ce genre de comportement qui ne plaise pas à Dieu. Amen, amen. Je veux te dire une chose ce soir. Il y a la solution. S'il y a une malédiction quelque part qui règne dans ta vie, c'est qu'il y a une bénédiction aussi qui doit régner dans ta vie.
Parce qu'en Genèse 1, le verset 28, il a dit, régnez, dominez, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez-la. C'est à toi qu'il a dit, toi qui m'écoutes. C'est à toi qu'il a dit, toi qui me regardes. C'est à toi qu'il a ordonné cela. C'est dans ta vie qu'il a commandé cela. Et lorsque Dieu commande, les entités spirituelles de lumière se mettent en mouvement pour pouvoir mettre en matérialisation ce que l'Éternel a dit. Et il y a plusieurs entités qui se mettent en mouvement, mais qui attendent que tu te positionnes comme il se doit. Je prie en ce soir qu'au travers de ce cheminement, au travers de cette neuvaine, que déjà tu aies exaucement au nom de Jésus. Je commande que déjà tu aies exaucement au nom de Jésus. Je commande que par ces enseignements que tu as suivis depuis le premier jour jusqu'à maintenant, déjà ton esprit s'ouvre sur des mystères de la vie. Déjà ton esprit s'ouvre sur des réalités spirituelles que tu minimisais, que tu ignorais. Je commande en ce soir que ta grâce te localise et je prie que ton témoignage soit réel. Tu vas voir maintenant que lorsque le Seigneur envoie une malédiction, ce n'est pas parce qu'il t'a envoyé une malédiction que tu ne peux plus te défaire. C'est lui qui a envoyé, c'est lui qui sait comment défaire la malédiction. Moi, ce que je dis, c'est que je suis content parce que c'est Dieu qui envoie la malédiction. Parce que c'était Satan qui envoyait, c'était compliqué. À Dieu au moins, le premier pas que tu peux faire pour pouvoir sortir de la malédiction, c'est la repentance sincère et vraie. Voilà pourquoi notre Église catholique nous donne cette grâce-là de pouvoir nous confesser. L'Église met à notre disposition un moyen de pouvoir revenir vers Dieu. Quel que soit le péché que tu as commis, quel que soit ce que tu as fait de mal, que tu n'arrives pas à laisser, tu as la capacité de voir nos prêtres. Je pense que c'est les samedis souvent dans certaines paroisses et même en semaine dans d'autres paroisses. Tu peux les rencontrer et te libérer. Déjà quand tu passes cette première étape, tu es en train d'aller vers ta libération. Tu es en train d'aller vers ta libération. Et après ça, il faut trouver quelqu'un qui sera capable de faire ta délivrance. Te mettre dans un cheminement de délivrance. Un bon cheminement de délivrance. Tu te mets sous la coupole spirituelle de cette personne. Que ce soit un prêtre ou un laïc très engagé. Hein, tu te mets sous la coupole de cette personne et tu suis scrupuleusement ce que la personne te dira de faire. Lorsque tu vas finir la délivrance, tu vas maintenant arriver au niveau où tu dois grandir spirituellement. Tout ça sous la coupole de l'homme de Dieu. Il sait comment toucher le cœur de Dieu pour que ce Dieu-là, lui-même qui t'a frappé de malédiction, lui-même qui a frappé tes trois générations, tes quatre générations de malédiction, ce qu'il dit en Exode 20 à partir du verset 5, il dit il est le Dieu. Il est le Dieu qui punit la faute des pères sur trois à quatre générations et qui fait miséricorde sur 12 générations. Je commande sur ta vie que ta bénédiction, la bénédiction de ta génération commence par toi au nom de Jésus. Je déclare que ce qui a tué tes parents ne te tue pas au nom de Jésus. Et qu'en cette fin d'année, tu sortes maintenant même de tout ce qui est emprisonnement satanique, de tout ce qui est emprisonnement de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Donc lorsque tu te fais accompagner, que tu finis véritablement ta délivrance, tu vas commencer à grandir spirituellement. Pour pouvoir grandir spirituellement, il faut rester dans la présence de Dieu. Il n'y a pas autre manière de grandir spirituellement que de rester dans la présence de Dieu. C'est lorsque tu seras constamment nourri de sa parole, lorsque tu seras constamment proche de lui, c'est là que tu vas commencer à connaître certaines choses qui ne sont même pas dans la Bible. C'est là qu'il va te révéler même des choses qui ne sont pas dans la Bible. C'est là qu'il va te montrer combien de fois il t'aime. Amen, amen. Même David a péché, et tu le sais. Mais tellement il était proche de Dieu, tellement il était l'ami de Dieu, tellement il était uni à Dieu, on a eu l'impression que David n'avait pas péché. Et c'est Salomon qui est le fruit même du péché qui est devenu roi d'Israël. Amen, amen. Malgré ton péché, tu es capable encore de ressortir des eaux. Je déclare ça sur ta vie. Malgré ce que tu vis, malgré la malédiction, tu es capable de sortir de là où tu es actuellement, de cette position de faiblesse,
dans laquelle tu es actuellement. Je ne vais pas être assez long. Je vais te dire en ce soir, nous allons prier tout à l'heure, mais je vais te dire en ce soir que il faille que tu reconnaisses ton état. Il faille que tu reconnaisses que Dieu est capable aussi de t'enlever de cette prison dans laquelle il a accepté que tu entres. Parce que c'est lui qui donne autorisation aux entités des ténèbres pour pouvoir même attaquer ta vie. Parce que tu n'as pas, comme on le dit, tu n'as pas obéi à la loi qu'il avait écrite. Dieu te bénisse en ce soir. Nous continuons notre temps d'adoration. Reste connecté, continue de partager, invite tes frères. Dis-leur que la libération est à ta portée. Dieu te bénisse. Je veux que tu restes connecté et nous allons continuer la neuvaine avec notre sœur. Nous disons merci au berger Abraham qui viendra tout à l'heure pour la prière d'intercession. Débutons notre temps par la prière initiale. Ô Vierge Immaculée, Mère de Dieu et notre Mère, Reine des anges, accueillez mon humble prière et veillez la présenter au trône du Très-Haut. Vous avez reçu de Dieu la mission d'écraser par votre divin Fils la tête orgueilleuse de Satan. Comblée de grâce, vous avez été conçu immaculé pour permettre à Jésus de sauver nos âmes en les couvrant de son précieux sang. C'est pourquoi nous vous supplions d'obtenir de Dieu qu'il envoie de saints anges afin de repousser le démon tentateur, de dévoiler ses ruses, réprimer son audace et l'enchaîner en enfer. Obtenez-nous de la miséricorde divine d'entendre en notre cœur l'écho du cri d'adhésion à Dieu qui marqua l'intervention victorieuse de l'archange Saint-Michel qui est comme Dieu. Ô notre tendre Mère, aide-nous à devenir plus humbles au regard de Dieu et des hommes. Aide-nous à devenir toujours plus promptes à repousser les tentations d'impureté ou de cupidité. Aidez-nous à rester persévérants et attentifs dans la prière. Faites grandir en nous le désir de la Sainte Messe et de la Sainte Communion. Aidez-nous à aimer notre prochain et à vivre en paix avec tous, à pardonner les offenses et les incompréhensions, afin d'offrir au cœur de votre divin Fils Jésus la joie de nous voir vivre l'Évangile. Ô Sainte Mère, nous nous réfugions sous votre manteau de miséricorde, assurés que vous nous défendrez contre toutes les embûches du diable. Gardez en nous la foi, l'amour de Dieu, le zèle pour sa gloire, l'observance de sa sainte loi et des conseils évangéliques. Enfin, Mère très douce, nous vous supplions de nous assister aux derniers instants
afin de nous préserver des insinuations malignes de l'ennemi infernal, nous garder confiants dans la bonté paternelle de Dieu et nous maintenir dans la ferme espérance que nous entrerons dans la joie infinie du ciel pour y chanter éternellement les miséricordes du Seigneur. Ainsi soit-il. Alors vous pouvez répondre après moi. Je m'engage à bénir et non à maudire. Je vais changer toute parole de malédiction entendue ou prononcée en parole de bénédiction. Je prends la ferme résolution de demander pardon à tout ce dont je médis ou ce que j'ai calomnié. Je m'engage à prier pour tous ceux qui, pour tous ceux qui m'ont maudit ou ont médit de moi. Prions. Seigneur, tu m'as créé pour vivre dans le bonheur et non dans le malheur. Tu m'as prédestiné à une vie heureuse. Me voici aujourd'hui. À cause de mon éloignement de ta présence, j'ai perdu cet héritage. J'implore ta bénédiction, ta paix et ta joie sur moi. Viens Jésus, par ton esprit, établis ta seigneurie sur tout mon être et dépouille-moi de l'emprise de mes sentiments humains, de l'orgueil, de la vanité, de tout ce qui pourrait faire obstacle à l'action de ton esprit d'humilité et de ton esprit de sainteté, de ton esprit d'amour, pour que je puisse aimer d'un amour total. Amen. Nous invitons le berger pour la prière d'intercession. Je veux que de là où tu es, tu puisses te disposer, que tu puisses te disposer, parce que c'est un temps spécial. Le Seigneur veut en ce soir, comme le potier, refaire ta vie. Il veut refaire ta vie. Il veut encore te donner une chance. Car il sait. Il sait que ton cœur est repenti. Et c'est pour cela qu'en ce soir, il dispose les entités de lumière qui sont vouées à la libération, à la délivrance. De là où tu te trouves, quel que soit le lieu, dans le monde des esprits, la distance n'existe pas. Voilà pourquoi j'affecte maintenant à ta vie, à ta personne, ces entités de libération. Quel que soit le lieu où tu es, tu vas chanter ce chant avec nous. Tu vas chanter ce chant avec nous. Commence déjà à le fredonner de là où tu te trouves. Parce que déjà les anges de la libération, les anges de la délivrance te trouvent de là où tu es. Te trouvent là où tu es. Je commande maintenant, pendant que ce chant est en train de passer, et pendant que les anges de la délivrance sont présents ce soir, pendant que les entités, oui, sont présentes ce soir, je commande la libération de toutes ces âmes qui suivent ce soir ce temps incroyable. Je déclare sur votre vie une libération totale en ce sixième jour. Déjà j'annonce la libération des captifs.
En ce sixième jour déjà, j'annonce la libération des captifs au nom puissant de Jésus-Christ. Il est présent ce soir et il veut te libérer en ce soir avec la présence des anges, avec la présence de la cour céleste. Nous marchons sur le camp de l'ennemi. Nous marchons sur le camp de l'ennemi avec autorité. Prends autorité maintenant. En tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, déclare au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Je prends autorité sur tout esprit. Sur tout esprit des ténèbres. Sur tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Je commande en ce soir que tu es sous mes pieds. Tu es sous mes pieds. Tu es sous mes pieds. Esprit de ténèbres, toi qui règnes dans ma vie, toi qui règnes dans ma famille, tu es sous mes pieds. Tu es sous mes pieds. Je commande en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, en tant que princesse de l'Éternel, en tant que prince de l'Éternel, tu es sous mes pieds. Tu es sous mes pieds. Tu vas déclarer avec moi que la bénédiction au nom de Jésus me localise maintenant. La bénédiction, pendant que je dis bénédiction, tu dis le nom de la bénédiction que tu veux avoir. Je commande maintenant que la bénédiction me localise. Je commande que le succès me localise. Je commande que l'évolution me localise. Je commande que le voyage me localise. Je commande que mon visa me localise. Je commande que mes papiers étrangers me localisent. Je commande que ma libération des esprits impurs me localise. Je commande que ma libération de la sorcellerie me localise en ce soir. Au nom puissant de Jésus, lève-toi de là où tu es et confesse maintenant ta libération. Et confesse maintenant sur la base de chant que tu marches sur le camp de l'ennemi. Que tu marches maintenant sur le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus, le diable est sous nos pieds. Karababosha, karababosha. Karababosha, karababosha, karababosha. Karababosha, il est sous nos pieds. 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 Crois qu'en ce soir, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, le diable est sous tes pieds. Les sorciers de ta famille sont sous tes pieds. Ceux qui t'empêchent d'avancer sont sous tes pieds. Ceux qui t'empêchent d'avoir la guérison sont sous tes pieds. Ceux qui t'empêchent de témoigner pour ton mariage sont sous tes pieds. Ceux qui t'empêchent d'avancer sont sous tes pieds. En ce soir, je dis, j'affecte des anges pour ta libération de là où tu es. Je déclare sur ta vie que ces jours qui vont suivre, cette nouvelle semaine qui commence à compter de demain, tu vas commencer à remarquer le changement dans ta vie. Je parle à une personne en ce soir. Tu vas commencer à faire des songes où tu dois te voir en train de sortir, oui, d'une prison. Tu vas commencer à faire des songes où tu vas passer un barrage qui te bloquait. Tu vas commencer à passer ce barrage-là. C'est le signe de ta libération. Une autre personne va faire un songe où tu vas avoir un avion en train de décoller. C'est le signe que tes affaires sont en train de prendre un autre niveau. Un autre niveau. Un autre niveau. Je commande pour tous ceux qui rencontrent des difficultés financières. Je commande que maman n'a plus d'effet dans vos vies. Maman n'a plus d'effet dans vos vies. Maman n'a plus d'effet dans vos finances. Je commande que l'esprit de pauvreté n'a plus d'effet dans vos finances. Il n'a plus d'effet. Il n'a plus d'effet. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu es fils de Dieu. La Bible déclare en Jean 1, à partir du verset 12, qu'il a donné pouvoir et puissance à tous ceux qui ont cru en son nom. Je commande en cette heure, parce que tu as cru au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu reçois la libération.
Tu reçois la délivrance. Je déclare qu'ils sont sous tes pieds. Au nom puissant de Jésus. Nous allons maintenant prier. Tu vas te mettre dans la position du village de ton père. Quel que soit le lieu où tu te trouves, tu connais le village de ton père, même si tu n'y es jamais allé. Je dis la distance n'existe pas dans le monde des esprits. Tu te mets dans la position du village de ton père et tu lèves le bras de victoire. Tu vas déclarer sur la terre de tes ancêtres que tout ce qui est péché, le sang de Jésus-Christ de Nazareth a payé le prix afin que tout ce que tes ancêtres ont fait, qui pèse contre toi ce soir, commence à être brisé. Étends les mains vers le village de ton père et commence à briser par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau. Commence à briser les malédictions. Commence à briser les malédictions. Commence à briser les malédictions. Commence à briser. Redebo Sakayata. Ragadabakarabo Sabadaya. Masekerebosha. Élève la main, commence à briser. En direction de du village de ton père. Commence à briser les malédictions qui pèsent sur toi par la puissance du sang de l'agneau. Par la puissance du sang de l'agneau. Déclare cela. Car dans ta parole, il y a une puissance. Je te rappelle qu'au commencement était la parole. C'est ce que tu vas dire qui va s'accomplir en ce soir. Ce que tu vas dire va s'accomplir en ce soir. Dis le nom du village de ton père. Dis le nom du village de ton père. Et confesse que les malédictions qui tombent sur ta vie sont annulées par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Inonde le village de ton père dans le sang de l'agneau. Mets le sang de l'agneau dans le village de ton père. Envoie, bombarde le village de ton père par le sang de l'agneau. Redebosa babraba shekere debosa. Karababosa. Pendant que tu es en train de prier, prends la position du village de ta mère. Rapidement, nous n'avons plus assez de temps. Kerababa shekere debosa. Pendant que je suis en train de prier, il y a certaines personnes qui commencent à vivre des choses dans leur corps. Tu commences à vivre des choses dans ton corps. Sache que tu n'es pas seul dans le combat. Ta libération a commencé. À partir de cette neuvaine, tu vas confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que plus jamais, tu vas vivre ce problème que tu vis. Élève la main droite vers le village de ta mère et déclare que parce que Jésus est mort et ressuscité le troisième jour, parce qu'il est mort et ressuscité, tu règnes maintenant sur toute sorcellerie du village de ta mère. Tu règnes sur toute sorcellerie du village de ta mère. Commence à confesser. Tu es une autorité spirituelle. Dis, je suis une autorité spirituelle. Je suis plus grand que tout. Parce que mon Père est plus grand que tout. J'ai l'autorité. J'ai l'onction. J'ai la puissance. J'ai le Saint-Esprit. Et notre dame de délivrance marche avec moi ce soir. Commande maintenant que les anges commencent à marcher. Qu'ils marchent dans le village de ta mère. Pendant que je suis en train de prier, je vois comme s'il y avait des tombeaux devant la porte d'une personne. C'est-à-dire dans cette famille-là, il n'y a pas beaucoup d'espérance de vie. Je déclare qu'à compter de cette heure, vous vivez jusqu'à 80 ans au nom de Jésus. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas une grande espérance de vie. Dans votre famille. Je déclare en cette heure que vous atteignez jusqu'à 80 ans. Je déclare cela. Nous allons prier pour finir. Pour les finances, pour l'enfantement, pour le mariage. Parce que en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, tu mérites tout ça. Je déclare en cette heure, commence à prier. Toi qui veux travailler, je veux que tu te focalises sur le travail que tu veux faire. Focalise-toi très, très bien. Si tu veux travailler dans une entreprise, tu vois l'entreprise dans ton esprit. Si tu veux une promotion, tu vois le nouveau salaire que tu veux avoir. Tu vois le nouveau poste que tu veux occuper. Si tu ne travailles pas,
regarde l'entreprise. Je prie pour ceux qui recherchent un emploi maintenant, qui recherchent une promotion, qui recherchent un financement. Je commande que parce que Jésus est mort à la croix et ressuscité le troisième jour, tu obtiens cette grâce. Tu obtiens cette grâce. Tu obtiens cette grâce. Tu obtiens cette grâce. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je vois des CV qui sont en train d'être acceptés. Je vois des contrats d'embauche qui sont en train d'être signés. Je ne le dis pas. Je ne le dis pas par émotion. Je ne le dis pas pour te faire plaisir. Je dis parce que je vois. Je dis parce que je vois. Et je sais qu'il y aura des témoignages sur la page de notre chantre. Des gens qui vont venir témoigner de leur embauche. Des gens qui vont venir témoigner des prêts qu'ils ont eus, des financements qu'ils ont eus. Je déclare cela sur ta vie. Je prie rapidement pour les femmes qui recherchent un enfant. Pendant que je tends les mains, mets aussi tes mains sur ton ventre. Mets tes deux mains sur ton ventre. Et commence. Commence à dire le nom de l'enfant. Commence à dire le nom de l'enfant, s'il te plaît. Même si tu n'es pas encore enceinte, je suis en train de te parler de quelque chose. Je ne m'appuie pas sur ta foi pour prier en ce soir. Je m'appuie sur ma foi et sur l'expérience que j'ai eue avec Dieu. Je déclare que maintenant, le nom que tu donnes à l'enfant dans ton ventre, donne vie à un enfant dans ton ventre. Si tu as donné un nom masculin, c'est un garçon que tu auras. Si tu as donné deux noms masculins, c'est des jumeaux que tu auras. Je dis, je suis en train de parler. Je suis en train de parler. Et actuellement, ce que je dis va s'accomplir. Je commande que toute femme, tout homme qui a mis sa main sur son ventre pour pouvoir enfanter, je commande la grâce de l'enfantement et je déclare que ton témoignage est réel. Amen. Ton témoignage est réel. Ton témoignage est réel. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je scelle vos bénédictions dans le sang de l'agneau. Je commande quand ce soir, ta bénédiction te poursuive et te rattrape au nom puissant de Jésus. J'ai été béni par ce temps et j'espère que tu as aussi été béni par ce temps. Et je commande en ce soir que tout ce qui est dit, toute prière qui a été faite, est scellée dans le sang précieux de Jésus. Amen. Je vais vous laisser maintenant en compagnie de notre sœur pour pouvoir terminer la prière de ce jour. Amen. Ah. Cette neuvaine. Bien-aimé, ne rate pas un jour. Parce que je sens, je vois déjà les témoignages, les témoignages, les témoignages. Alléluia. Et retiens bien les jours. Parce que quand tu vas rendre ton témoignage, tu vas dire, ah, au premier jour, voici ce que j'ai reçu. Au deuxième jour, au troisième jour, ainsi de suite. Amen. Nous méditons à présent la litanie à Notre-Dame de la délivrance. Pour ceux qui peuvent, vous pouvez vous mettre à genoux. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Jésus-Christ, écoute-nous. Jésus-Christ, exauce-nous. Père céleste, Seigneur Dieu, prends pitié de nous. Fils rédempteur du monde, Seigneur Dieu, prends pitié de nous. Esprit Saint, Seigneur Dieu, prends pitié de nous. Trinité Sainte, un seul Dieu, prends pitié de nous. Sainte Marie, Notre-Dame de la délivrance, prie pour nous. Sainte Marie, Notre-Dame des victoires, prie pour nous. Sainte Marie, sur qui a reposé la puissance du Très-Haut, prie pour nous. Sainte Marie, plus vaillante qu'Esther et Judith, prie pour nous. Sainte Marie, dont le Fils a écrasé la tête de Satan, prie pour nous. Sainte Marie, qui nous protège contre le dragon furieux, prie pour nous. Sainte Marie, refuge des pécheurs, prie pour nous. Sainte Marie, libératrice et salut des infirmes, prie pour nous. Sainte Marie, qui a procuré à Élisabeth une heureuse délivrance, prie pour nous. Sainte Marie, protectrice des femmes enceintes, prie pour nous. Sainte Marie, bonne délivrance des femmes en travail, prie pour nous. Sainte Marie, consolatrice des femmes, des enfants avortés, prie pour nous. Du pouvoir et des tentations de Satan, Vierge Marie, délivre-nous. De la séduction des idoles et des fausses doctrines,
Vierge Marie, délivre-nous des possessions démoniaques. Vierge Marie, délivre-nous des illusions pernicieuses de l'esprit des ténèbres. Vierge Marie, délivre-nous des attaques des sorciers et des maîtres occultes. Vierge Marie, délivre-nous des pactes diaboliques qui rendent esclaves de Satan. Vierge Marie, délivre-nous de l'idolâtrie, du spiritisme et du satanisme. Vierge Marie, délivre-nous des sectes de la sorcellerie et des sociétés secrètes. Vierge Marie, délivre-nous des pièges de la divination et des fausses prédictions. Vierge Marie, délivre-nous des fausses visions et des rêves trompeurs. Vierge Marie, délivre-nous de toutes les malédictions. Vierge Marie, délivre-nous des envoûtements, des sortilèges et des maléfices. Vierge Marie, délivre-nous de l'esprit des morts qui pousse au suicide et au meurtre. Vierge Marie, délivre-nous des accidents mortels. Vierge Marie, délivre-nous des maladies contagieuses. Vierge Marie, délivre-nous de la stérilité d'origine maléfique. Vierge Marie, délivre-nous de toute menace contre les enfants dans le sein maternel. Vierge Marie, délivre-nous des accouchements difficiles. Vierge Marie, délivre-nous des traumatismes dans l'enfance. Vierge Marie, délivre-nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Prions le Seigneur. Ô Dieu, qui a voulu que notre Sauveur naisse d'une vierge, à travers son oui, nous te demandons par l'intercession de Notre-Dame de la délivrance de nous protéger contre toutes les attaques visibles ou invisibles et de nous rendre victorieux par le sang de son Fils qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles et les siècles. Notre-Dame de la délivrance, brise les chaînes de nos péchés. Notre-Dame de la délivrance, fais-nous renaître à la liberté. Notre-Dame de la délivrance, brise les chaînes de nos péchés. Notre-Dame. Alors que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, nous disons merci à Dieu pour son amour, nous lui disons merci pour sa présence au cœur de notre méditation, et nous voulons dire merci à Dieu pour la vie du berger Abraham. Nous espérons que ce n'est pas le dernier jour, voilà, qu'il viendra, on ne sait jamais. Amen, amen, amen. Alors que le Seigneur vous bénisse, nous nous donnons donc rendez-vous pour demain, même heure. 22h15. C'est vrai que c'est dimanche. Après la messe, tu iras en famille, peut-être aller te promener un peu, mais n'oublie pas la neuvaine à Notre-Dame de la délivrance. On tire un peu vers la fin de notre libération. Mais je sais une seule chose, que le Seigneur a déjà commencé à nous libérer de nos liens. Alors ne laissons pas l'ennemi entrer. Finissons cette neuvaine, parce que notre témoignage sera grand. Alors que Dieu vous bénisse. Excellente nuit à tous et à chacun. Et nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.